alors que la championne olympique à Atlanta du concours général, mais également championne du monde dans beaucoup de spécialités, se présente Lilia Podkopayeva. À la poutre, alors grosse prise de risque également à la poutre, agréé redouté comme les arçons pour les garçons. Et aux qualifications hier, Podkopayeva avait chuté. Attention. Elle paraît plus sûre sur cette entrée en salto avant groupé. La séance d'hier lui aura servi de leçon probablement. L'entraîneur de l'Ukraine dispose d'une gymnaste complète à tous les exercices. C'est la raison pour laquelle il n'a pas peur de l'aligner dans tous les domaines. Et la poutre, Podkopayeva, elle connaît. Le public de Bercy est suspendu aux équilibres de la championne olympique. Ouf. Avant. C'est du solide. Jusqu'à présent. Aïe. J'ai toujours le frisson à la poutre. Concentration avant la sortie. Oui, ça doit bien regrouper. Bien. Elena Podkopayeva qui a eu un mérite extraordinaire. A remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta dans le tumulte que vous avez connu au Georgia Dome, avec la poussée du public américain qui portait au nu ses gymnastes. Eh bien, Podkopayeva, au caractère d'acier, a tenu jusqu'au bout pour remporter le titre olympique. Et là, à Bercy, elle nous gratifie d'une poutre de haute voltige. On vient de revoir sa série arrière au ralenti, la seule, avec ce flip poisson et la vrille salto arrière corps groupé. C'est bien sûr sa sortie. Et donc